Je joue avec donc des pots, mais aussi des pierres sonnantes et des branchages, des feuillages. Et un peu tout ce que je trouve autour. Finalement, pendant les études, on apprend à être équilibré, à trouver l'équilibre, à avoir des baguettes qui sont parfaites. Tout ça. Et moi, je me suis entraîné à créer du chaos là-dedans et à prendre des objets qui n'ont pas forcément le même poids, qui sont un peu déséquilibrés. Donc, je trouve mon chemin là-dedans. Mais ensuite, j'ai voulu inventer des. Enfin, trouver des façons d'écrire qui allaient avec certaines idées que j'avais de la musique, notamment quitter la notion de premier temps, pouvoir aller dans un sens ou dans un autre dans une partition. Voilà, et ce qui est impossible avec la notation linéaire. Donc pour ça, il faut inventer des signes, il faut chercher un petit peu. Et donc voilà, j'ai fait mes propres recherches. Et c'est vrai que j'ai toujours cru à l'école. En fait, j'ai jamais trop cru. J'ai toujours vu qu'on pouvait y apprendre la technique, mais pas beaucoup plus.